Une princesse vivait paisiblement entourée de ses 752 lapins, jusqu'au jour où l'un d'entre eux s'enfuit dans la forêt. Quels obstacles sera-t-elle prête à braver pour retrouver son lapin chéri?752 lapins. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse très belle, très gentille, très riche et qui sentait très bon. Elle était aimée de tous les seigneurs des alentours et n'avait en conséquence nul besoin de posséder une armée pour défendre son royaume. Elle pouvait donc consacrer sa fortune à entretenir et à augmenter son clapier royal. Elle possédait exactement 752 lapins et ne reculait devant aucun effort ni aucune dépense pour leurs soins. Elle jouait avec eux, les brossait et les nourrissait. Un jour, un serviteur négligent, appelons-le Jean, mais ça n'a pas d'importance, oublia de bien fermer la barrière du parc et l'un des 752 lapins s'enfuit dans la forêt. Cela causa à la princesse un très grand chagrin, tellement que ses pleurs attirent les seigneurs des trois royaumes voisins. « Quelle est la cause de votre émoi, Altesse ?» lui demanda-t-on. Reprenant ses esprits, elle exposa son drame à ses amis. « Bah, ce n'est que cela !» répondit le plus âgé des trois seigneurs. « Vous avez perdu un lapin ? Eh bien, le mois dernier, j'ai égaré mon trombone préféré. J'en fus extrêmement contrarié, comme vous pouvez l'imaginer. Mais j'ai tâché de m'occuper l'esprit à autre chose, et à la fin de la journée, j'avais retrouvé ma bonne humeur. » Il a raison, ajouta le deuxième seigneur. Enfin, il vous reste tout de même 751 lapins, ce n'est pas rien. Tout juste, intervint le troisième. Si vous m'en croyez, vous vous ferez couler un bon bain, vous vous servirez un grand verre de limonade et vous lirez un bon livre. Cela vous changera les idées et dans une heure, vous aurez oublié ce pauvre lapin. Satisfait des sages paroles qu'il venait de prononcer, les trois seigneurs enfourchèrent leurs montures, prirent congé et regagnèrent leurs terres. Les malheureux, on voit qu'ils n'ont jamais aimé pour parler de la sorte, s'exclama la princesse quand elle fut à nouveau seule. J'avais 752 lapins, oui, mais j'aimais chacun d'entre eux aussi fort que s'il était mon seul lapin.
Puis, elle mit ses bottes et son manteau et elle s'enfonça dans la forêt. Au bout de 2 heures de marche, elle arriva près d'une cabane dans laquelle vivait une vieille femme dont on disait qu'elle avait des pouvoirs magiques. Elle entra dans la cabane sans frapper et dit à la vieille femme « Un de mes lapins s'est enfui dans la forêt !»« Je sais, mon enfant !»« Et savez-vous où je pourrais le trouver ?» Ton lapin est déjà loin, princesse. Pour le retrouver, tu devras affronter un géant, gravir de hautes montagnes et traverser un marais infesté de serpents. Tu devras endurer le froid, la peur et la faim. Prends un peu de repos. Ensuite, je te donnerai un panier de provisions, une épée et je t'indiquerai le chemin. La princesse demeura de longues minutes à réfléchir, puis elle se dit « Mes amis n'avaient pas tort. C'est vrai qu'il me reste tout de même 751 lapins, ce n'est pas rien. » Elle s'excusa à la vieille dame de l'avoir dérangée, puis elle regagna son château où elle se fit couler un bain, se servit un grand verre de limonade et ouvrit son livre préféré. Fin. Voilà. Merci à tous. J'espère que cette histoire vous a plu. Et bonne nuit.